Que Dieu vous bénisse. God bless you. Ben, je viens rendre grâce à Dieu pour la guérison de ma petite sœur. Give thanks to God for que ma petite sœur puisse être guérie. Of my sister. Elle avait elle s'était brûlée sur sa cuisse. She was donc c'était vraiment grave, ça s'est infecté. On the leg, on l'a mené à l'hôpital. Elle s'est brûlée à la cuisse. She was burnt on the left leg. On l'a mené à l'hôpital. We brought her to the hospital. On a prescrit des médicaments. And we got et ça n'allait pas toujours. It was still not okay. Après, je suis venue voir le pasteur. And after that, I came to see the pastor. Pour que le pasteur puisse prier pour ma petite sœur. For the pastor to pray for my junior sister. Et le pasteur m'a dit d'apporter un mouchoir. The pastor has me to bring a handkerchief. Pour qu'il puisse prier dessus pour aller imposer ça à ma petite sœur. So that you will pray on that and I will lay it on my sister. Et ma petite sœur, en fait, elle ne pouvait pas se mettre debout. She could not stand up. Ni marcher. Not even walk. C'était vraiment dur. It was difficult to her. Elle a fait tout. Elle a fait toute une année sans aller à l'école. She made a whole year without going to school. Et je remercie Dieu parce que elle se porte maintenant bien. Now I thank God she feels good. Et elle marche déjà. And she works. Melissa, reviens. Melissa, come back. Sois courageuse, pas trop d'émotion. Be courageous. Tu es en train de parler, tu témoignes la gloire de notre Seigneur. You're giving testimony to the glory après of God. Après que le pasteur ait oint le mouchoir, et prié pour le mouchoir, et oint le mouchoir. After the pastor que prayed, s'est-il passé? And anointed the handkerchief, what happened? Après, je suis allée à la maison avec ce mouchoir, c'était un mardi. I went back mardi home with the handkerchief soir, on Tuesday je evening. Je suis allée avec ça à la maison. After the service. Je ne pouvais pas dormir avec ça, il fallait qu'on l'impose ça maintenant. Je suis allée à la maison, j'ai remis au mouchoir à ma mère. Ma mère a mis ça sur la blessure de ma petite sœur. Donc après, dès qu'on a terminé de lui mettre ça, En fait, on a su que ça a commencé déjà à sécher déjà la blessure totalement. Maintenant, là, elle est même là dans la salle. Elle se sent maintenant bien ça, totalement séché, sa blessure. Jésus, est-ce qu'on peut donner la gloire à Jésus? Alléluia! Est-ce qu'elle est là? La jeune fille est là? Venez ici. Venez ici. Acclamons davantage le Seigneur. Give a hand of praise to the Lord. Faites ça. La blessure est à quel niveau? À la cuisse. Bon, on va pas te demander de montrer la cuisse. Mais quand on t'a appliqué le mouchoir, when we applied the handkerchief, et après la blessure a commencé à sécher sur place. What happened started to dry. Et au jour d'aujourd'hui, cette blessure est complètement guérie. And today that wound is healed. Est-ce que vous croyez que Jésus est capable de faire cela? Do you believe Jesus is able to do? Est-ce qu'on peut lui donner des cris de joie? Can we give him glory? Suivez ceci. Elle n'est pas chrétienne. She's not Christian. Mais ça n'a pas empêché Dieu. But it did not stop God. De la secourir. To rescue her. Quand Dieu doit secourir. When God has to rescue. Ne vient pas qu'au secours des chrétiens. He does not rescue Christians. Dieu vient secourir toute personne. He comes to rescue all the people. Mais c'est sa sœur, sa petite sœur ou grande sœur.
Sa grande sœur Melissa. Senior sister Melissa. M'a demandé de prier pour ce mouchoir. Asked me to pray for the handkerchief. Et j'ai prié là-dessus. And I prayed on it. Et j'ai dit quand tu arriveras, parce qu'elle a fait une année. Because she spent 1 year. La blessure saignait. The wound was bleeding. Elle n'a pas pu faire l'école à cause de cela. She could not go to school because of that. C'était une situation grave. Ils ont appliqué tous les médicaments, ça ne marchait pas. A bad situation. They apply all the medicines. Et sa grande sœur a dit, pasteur, s'il te plaît, priez. And her senior sister said, please, pastor, pray. J'ai dit, amenez-la ici. Elle m'a dit, impossible de l'amener parce qu'il faut la soulever. Elle ne peut pas marcher. It was impossible to bring her here. She could not walk. Et sa blessure est déjà infecté. And the womb was already infected. Et ça faisait qu'elle ne pouvait pas marcher, elle pouvait pas se déplacer, elle était paralysée. She could not move. She was paralyzed. Et j'ai dit donc à sa grande sœur Melissa, and ask her sister Melissa, que donnez une pochette, je vais prier là-dessus. Give me a handkerchief. Et quand vous arrivez à la maison, appliquez juste là où il y a la blessure. So at home you apply on et the womb. Je vous assure qu'au nom de Jésus, cette blessure va guérir immédiatement. And that wound will heal immediately. Et quand ils sont donc arrivés à la maison, so when they went back on a pris home, la pochette went, they took the anointed on a appliqué sur la blessure, they applied on et the wound, immédiatement, instantanément, immediately, la blessure a séché. The wound dried. Et maintenant, la jeune fille est là devant vous. Now, the young girl is here. Elle peut marcher. She can walk. Marche. Walk. Wow, elle peut marcher. She can walk. Maintenant, c'est fini. It's over. La blessure est finie. Tu peux bouger le pied. It's finished. C'est fini ta blessure. Complètement guérie. Totally. Gloire à Jésus. Glory je sois béni. God be blessed. Est-ce qu'on peut lui donner la gloire? Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be. C'est de cela dont nous parlons. This is what we're speaking about. Ce Jésus. It is Jesus. Guérit encore. Still heal. Il guérissait hier. He used to heal. Mais il guérit encore aujourd'hui. But he heals. Il faisait hier. He did yesterday. Il fait encore aujourd'hui. He does today. C'est pour cela que nous l'aimons. That's why parce qu'il est le même hier. Because aujourd'hui et éternellement. And forever. Gloire à Jésus. Venez ici avec moi. Est-ce qu'on peut, toute l'église, prier, élever la voix pour que Dieu fasse son miracle dans ce jeune homme? Prions tous ensemble, élevez la voix. Vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes les participants de la gloire de Dieu et de la guérison divine. Et vous aimez voir votre Dieu accomplir des miracles. Mets-toi.
voulons rendre grâce à Dieu pour ce jeune homme. Il a un problème sérieux. Ses deux oreilles sont attaquées. Et maintenant, il n'entend plus. Et il a mal. Ça lui fait mal. Ça tire les nerfs. Et les deux oreilles sont bouchées. Il a eu une maladie qui lui a bloqué les oreilles. Mais le Seigneur, par sa grâce, vient de faire son miracle. Nous allons vivre le miracle de Dieu en live. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Jésus? Père, je prie maintenant que ses oreilles soient complètement débouchées et que ce garçon puisse désormais entendre pour la gloire et pour l'honneur de notre Sauveur dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, tu peux regagner ta place. Est-ce qu'on peut lui donner la gloire? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Acclamez le roi des rois. Bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Maintenant toi aussi, lève ta main là où tu es. Si tu es malade quelque part, touche là où tu es malade. Alors que je suis en train de prier, touche simplement là où tu es malade. Seigneur Jésus, nous venons de vivre ton miracle ce matin. Nous savons, Père, que par tes maîtrisures, nous avons été guéris. Tu es un Dieu formidable, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu fort, tu es un Dieu élevé. Tu es celui-là même qui donne à ses enfants ce dont les enfants lui demandent. Tu as dit, tu ne lui donneras pas le pain et la pierre à la place du pain, ni un serpent à la place du poisson. Tu donnes à tes enfants ce que tes enfants te demandent. Reçois maintenant, reçois ta guérison, là où tu es malade, reçois ton bonheur, reçois ta paix, reçois ton succès, reçois ton élévation, reçois ton argent, reçois selon la requête de ton cœur. Je viens de sceller cette prière dans le sang de l'agneau. Je viens de sceller cette prière dans le sang de l'agneau. Recevez la grâce de Dieu dans votre vie ce matin. Soyez bénis et recevez cela dans le parfait nom de Jésus-Christ, et que toute l'église dise Amen. Hallelujah.